Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre battle préférée, la Glossy Box contre la Blissim du mois de mai. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble tout de suite le contenu de ces deux box. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, aussi à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. Si une de ces deux box également vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage. Vous avez 10€ sur le e-shop de Blissim en utilisant mon code et vous avez moins 20% avec mon code pour la Glossy Box. Donc voilà, si une de ces deux box vous intéresse, n'hésitez pas. C'est parti, donc on va commencer par la Blissim qui a un joli, voilà, une très jolie couleur, un petit peu lavande comme ceci, voilà, bleu, lavande, très nude. Le thème est lumière de mai, donc on va voir ce qui est vraiment très, ce qui a peut-être un highlighter, quelque chose comme ça, quelque chose de lumineux, je sais pas, moi ça me fait penser à ça. On va voir ça tout de suite. Première chose que je prends, c'est de la marque Shairi, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est donc c'est un produit qu'on a déjà eu, enfin une marque qu'on a déjà eu, pas un produit, parce que cette façon de ce design me rappelle énormément avec les petits cactus, sauf que c'était pas vert et rouge. Donc cette fois-ci nous avons un soin intense, d'accord, un soin intense pour les cheveux, ça c'est chouette. Comme vous savez, j'adore tous les produits cheveux testés, etc. Comme vous savez, bah voilà, moi j'ai les cheveux longs, fins et avec les pointes sèches, donc je ne demande que des soins pour mes cheveux et le produit miracle, voilà, qui me donnera du volume, de la force et les cheveux extra doux. Donc comme d'habitude, hein, je vous remettrai les prix ici ou ici, enfin là où il y a de la place, le prix de revient de chaque produit, comme ça on aura une valeur totale, une valeur de la box. On continue avec un produit de la marque Nuxe Sun. Alors ça je connais déjà, oui, c'est un lait fraîcheur après soleil. J'en ai déjà reçu plusieurs fois les années précédentes de ce soin après soleil, donc je l'ai déjà utilisé. Je crois que même d'ailleurs il doit encore m'en rester un de l'année dernière, parce que bon, on n'est pas trop parti en vacances, voilà, on n'a pas eu beaucoup besoin, mais c'est un très bon produit, donc ça c'est chouette. Voilà, un petit lait après soleil, une fois que vous êtes mis au soleil, il est hyper important de s'hydrater, et encore plus avec ces produits là si vous voulez prolonger l'effet du soleil et le bronzage, voilà, sur votre peau. Donc ça c'est un peu un indispensable. On est quand même qu'au mois de mai, on a déjà ces produits là je sais pas ce qu'on va donner juin, juillet, août. J'espère juste qu'on va pas en avoir de trop quand même. On continue avec la marque Madara. Et cette fois-ci, c'est un peel brightening HA peel mask. Ah, d'accord, c'est un masque lumineux, enfin lumineux. Il n'est pas brillant, mais pour avoir le visage, le teint plus lumineux, donc c'est un peeling. Donc ça, c'est chouette, un petit masque peeling. J'adore tout ce gros packaging pour un produit si petit. C'est... ça je comprendrai jamais. On a l'impression d'avoir un méga produit super épais, etc. Puis en fait on a juste ça. Bon bref, on aura quand même de quoi faire peut-être une ou deux fois hein, sur le visage. Il n'y a quand même pas besoin de beaucoup. Donc bah ça à tester. Ouais, franchement à tester, pourquoi pas. Donc et puis Madara c'est plutôt une bonne marque. Donc ensuite la marque Pomelo. Non, la marque Solinote plutôt. Oui, Solinote Paris. Et cette a l'air d'être du parfum, mais c'est fou ça. Mais j'avais rempli, vous savez, les fameux questionnaires. Je crois d'ailleurs que plus personne se sert de ces questionnaires là je sais même pas si du coup Blissim, avant c'était Birchbox, se servait du, je sais même pas du si il est toujours à jour ou quoi que ce soit, parce que moi clairement dans mes questionnaires j'ai toujours mis que je ne voulais pas de parfum, parce que je suis un petit peu chiante avec les parfums. Je sais pas pourquoi je me déguimais, hein, mais non, clairement je suis chiante. Moi, au niveau de mon parfum, je mets toujours le même depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Et j'en ai rajouté quelques-uns, quelques autres, mais très peu. Hein, j'en vais avoir 3-4 maxi. Et c'est toujours les mêmes depuis des années. Voilà, vous me ferez jamais changer d'avis sur les parfums. Donc c'est... oubliez, hein, si vous voulez m'offrir du parfum, laissez tomber. Hein. Laissez tomber. Donc bon, on va quand même sentir, on va voir... ah, c'est un petit roll-on, donc ça c'est plutôt sympa, c'est le côté positif du truc. Ça sent... alors comment le dire sans qu'on me tombe dessus, ça sent la grand-mère. Mais pas, c'est pas péjoratif, hein. Clairement ça sent, ma grand-mère, quand j'étais petite, sentait le même parfum, ce parfum-là, voilà, ça sent l'eau de rochasse, vous savez, enfin, les parfums, les eaux fraîches, voilà, ça sent, mais
Ça sent ma grand-mère. C'est pas que j'aime pas, hein, mais du coup, je me verrais pas porter ça parce que du coup, j'aurais l'impression que j'ai une vieille personne à côté de moi ou je sais pas. Donc, franchement, ça me correspond pas du tout. C'est juste une question de goût, hein. Clairement, je dis ça, mais bah, pour ceux qui aiment, clairement, vous êtes pas des vieilles personnes. Hein. C'est juste que moi, ça me fait rappeler ma grand-mère. Voilà, une de mes grand-mères portait ce genre de parfum. Donc, non, clairement, moi, je peux pas. Voilà. Bon, bah, ils auront essayé et c'est raté. Et dernier produit, nous avons de la marque Sheila. C'est une palette de fards à paupières. Trop cool! Une mini fard à paupières. Oh oui, quand je vois les teintes, regardez les teintes. Elle a l'air trop bien. Elle a l'air trop bien. On va juste ouvrir ça. Oh, ça s'ouvre tout seul. Oh, ça a l'air super cool. Oh, c'est tout mignon. Oh ouais, exactement. C'est vraiment les teintes que je peux porter. Franchement. Ça, elle a l'air hyper, elle est toute mignonne, regardez-moi ça. Donc ouais, c'est nude, il y a un brillant doré ici, les brins, c'est ce que je porte très très souvent. Voilà, en coin interne de l'œil, là pour illuminer le regard. Bref, paupières mobiles, etc. Le coin externe, ça c'est pour toute la paupière, enfin bref. Vous pouvez faire un super joli maquillage avec ça. Ouais, franchement super sympa. Donc voilà pour la Blissim, mais on va continuer avec la Glossy Box. Et la Glossy Box est très 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 jolie, j'adore cet effet soleil. Regardez-moi ça, en plus ça brille de mille feux. C'est super joli, c'est... vous voyez, c'est marqué, j'adore ça. Alors ça, je peux passer des heures à faire ça. Bref, vous êtes en train de vous dire, bon, quand est-ce qu'elle ouvre sa boîte là, qu'on puisse voir l'intérieur. C'est parti. Estampillé, c'est Let the Sun Shine. Voilà, donc je pense que c'est le thème de la boîte. Bien le packaging, enfin, et puis la petite carte aussi, super sympa. À l'intérieur, il y a les produits. Oh, j'aime bien aussi, regardez, c'est tout mignon. Le petit ruban jaune, et puis le petit papier de soie, voilà. Le petit ruban, le papier de soie en plus, moi c'est super utile. Je m'en sers pour mes ventes Vinted. Donc rien n'est perdu, tout est recyclé. Alors, première chose, c'est Terre de Mars. Décidément, Terre de Mars, on a beaucoup en ce moment. C'est un gel nettoyant corporel. Ah, bah vous savez, le fameux gel nettoyant corporel. J'ai l'impression de l'avoir déjà fait de celle-là. En fait, c'est un gel douche, hein, pour celles qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos. Et c'est le 008, mais c'est déjà celui-ci. Je l'ai présenté la semaine dernière dans mes produits terminés. J'essaierai de vous le remettre dans le petit ici. Oh, j'espère que ce ne serait pas... J'arrive pas à sentir. Bon, de toute façon, je vais l'utiliser, mais... Ah, ça devait être ça. Je vous avoue que je ne me souviens plus du tout. Donc, je viens de regarder sur mon Instagram, parce que je publie le contenu de chaque box. Et effectivement, c'était dans la Prescription Lab du mois de février. Et c'était bien le 08, voilà, que j'avais déjà eu. Dommage, parce que je ne l'avais pas... Je l'avais pas trouvé terrible, voilà, comme je le rappelais dans ma vidéo produit terminé. Voilà, vous avez déjà un avis sur ce que je pense de ce produit-là. Ok, hein, ok. C'est le jeu, hein. Comme je le dis à chaque fois, d'être abonné à plusieurs box, c'est le risque d'avoir des doublons. Et bon, bah voilà, après des fois, je suis plutôt contente parce que j'ai adoré le produit. Et puis bah, d'autres fois, comme là, où bon, ça reste un gel douche, mais voilà, j'en préfère autre chose. On continue. Oh, j'adore ce genre de petit packaging là, j'adore ça. C'est très acidulé, j'adore ça. La marque Mine Tan Body Skin. Donc, c'est un gel hydratant après soleil. Oh, tiens. Alors, les gels, j'adore. C'est très rafraîchissant. Par exemple, même si vous avez eu un coup de soleil, malheureusement, hein, faut éviter. Mais ça peut arriver. Hein. Voilà, ça m'arrive encore. Même si j'essaye de me protéger un maximum, ça peut arriver encore d'avoir des coups de soleil. Les gels, c'est vraiment l'idéal pour rafraîchir, pour apaiser la peau quand elle est bien chaude. Franchement, ça c'est top. Et donc, Aftershuns, oui, voilà, enrichi en aloe vera et niacinamide. Ok, bah super. Ben franchement, ouais, j'aime beaucoup. Et en plus, ce petit format comme ça, c'est trop joli et j'aime beaucoup le packaging. J'adore, ouais, très très peps. On continue avec la marque Monuskin. Donc c'est une très très jolie marque et très bonne marque. Donc cette fois-ci nous avons un primer illuminating. Ah, oui, voilà. SPF 15, donc c'est plutôt pas mal. Sauf que voilà, c'est une base illuminatrice à mettre avant son maquillage, voilà, en base.
Ouais, c'est pas le genre de truc que je recherche. Moi, c'est plutôt les bases matifiantes, justement, que je recherche et que je mets de temps en temps. Je mets pas à chaque fois, mais je mets assez régulièrement. Donc là, une base illuminatrice, donc clairement, je les garderai pas. Donc, bah voilà, si ce genre de produit vous intéresse, ça sera mis sur mon compte Vinted. Voilà, si ça vous intéresse, comme d'habitude, je les mets à bas prix. Voilà, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour. Le lien est juste en dessous de la vidéo, en barre d'information. On continue avec la marque M. Assam, donc ça doit être Monsieur Assam, je connais pas du tout cette marque là, c'est le Magic Finish, c'est un make-up, c'est un fond de teint. Ok, alors là j'ai peur, hein. Je sais pas du tout s'il y a une teinte ou quoi que ce soit, il n'y a pas l'air d'avoir de teinte spécifique, alors là ça craint un peu, j'ai envie de vous dire. On va essayer d'en mettre une petite goutte là, une micro goutte. Voilà, pour voir un petit peu la teinte. Parce que moi, j'ai la teinte assez claire, hein, quand même. Enfin, la peau assez claire et le teint assez clair. Et bah, c'est pas dégoûtant du tout. Si vous voyez, vous. Non. Par contre, oh, ça rend la peau toute douce. Et un peu unifiée. Franchement, bah alors, moi, je vois, mais très légèrement. Finalement, c'est pas si teinté que ça. Ah, c'est intéressant, dites-moi. C'est vraiment très très subtil, très subtil. Après, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Mais bah, à voir du coup, à voir, ouais, à voir ce que ça donne, le rendu, comment ça se passe en toute la journée, etc. Donc, bah, ça fera l'objet d'un petit test. Si une vidéo test, par exemple, je teste ce fond de teint pendant 24 heures et je vous montre au fur et à mesure de la journée comment il tient, comment il réagit, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je pourrais très bien vous faire un petit crash test, sur ce produit-là, puis d'autres produits, etc. Mais voilà, si ça vous intéresse que je fasse un petit test, voilà, un petit crash test du 24 heures sur ce produit-là, bah, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et donc, dernier produit, voilà, ceci, c'est de la marque Lotti. Lotti London, normalement, oui, c'est ça, Lotti London, on avait déjà eu des produits de cette marque-là, et là, c'est un, je ne sais pas, Golden Hour. C'est un fard à paupières. Alors, un fard à paupières crème. Oh, oh. Décidément, tout est un petit peu cassé, un petit peu... Oula. Non, c'est de la paillette concentrée, c'est quoi? Ah non, c'est en poudre. Mais sauf que le truc, il a un peu mal la tête. On va essayer de le mettre à côté. Oh, ça déboîte, hein. Ça déboîte à mort. Ok. Ok, ça c'est sérieux, ça. Ça, on rigole plus avec ça. Mais là, on voit 15 km avec ça sur les yeux, quoi. Il va falloir en mettre très, 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 très peu. Très, très peu. Très, 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 très peu. Donc, voilà. Le petit Lotti, il a l'air dingue. En plus, c'est le genre de couleur que j'adore, qui irait super bien avec la petite palette de chez Blissim. Et donc si ça vous dit, eh bien, je peux vous faire une vidéo avec le fond de teint et puis où je teste également la petite palette avec ce petit fard également, voilà, vous faire un petit make-up avec. Voilà, dites-moi simplement, voilà, si vous voulez une petite vidéo comme ça, tranquille, où je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, alors je suis assez mitigée à cause de deux produits de chez... Glossybox, voilà, la base illuminatrice qui ne me correspond pas, et puis bah, ça que j'ai déjà eu, que forcément j'aimais pas trop, voilà, c'est pas non plus horrible, mais j'aimais pas trop, donc voilà, après le reste, ça se rattrape, franchement, ça c'est une tuerie, j'espère juste que ça va partir, hein. Mais voilà, ça, super sympa, donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux box, si vous les avez reçus également, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez également reçu, voilà, et je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !